Le jeu mobile Black Clover est-il retardé? C'est le titre de la vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour des news concernant cette licence qui a eu le droit à un jeu mobile. Aujourd'hui, on va parler un peu des news, surtout sur le titre de la vidéo, le sujet de la vidéo. Est-ce que le jeu a été retardé? Parce que concrètement, on en a marre de l'attente. Le jeu, maintenant, il a été annoncé il y a un an et demi à la Jump Festa. Et comment dire que on commence à être un peu frustré de cette longue attente pour la version globale, en sachant que la version japonaise et la version coréenne sont sorties en même temps. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu un retard aussi énorme. Enfin, je ne connais pas toutes les raisons, mais j'en connais quelques-unes qu'on va aborder dans cette vidéo, les amis. Et vous allez bien sûr partager le même avec moi sur certains points et certaines visions des choses. Tout d'abord, on va parler du début. Vous savez qu'au début, je donnais énormément de news. On était arrivé, si je ne dis pas de bêtises, on était arrivé malheureusement courant juin pour l'annonce d'une future bêta. Une future bêta en global, en coréen, ce que vous voulez, bref. Ils avaient annoncé ça. Et malheureusement, un mois plus tard, en juillet 2022, il nous annonce que le jeu est retardé via un article coréen. Et ce qui se passe par la suite, le premier article dit qu'il est retardé pour fin d'année. On arrive en septembre, ils nous font un teaser, plutôt une interview avec le CEO, Choi Jae-young, qui lui dit dans la vidéo qui était disponible justement sur leur chaîne YouTube, qui est toujours disponible d'ailleurs, et qui dit que le jeu va être disponible au premier, plutôt à la première partie de l'année 2023. Du coup, entre juin et janvier, plutôt entre janvier et juin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour la version globale? La version globale, elle qui est gérée par Garena, même si elle suit un peu les directives. Pas un peu, mais elle suit les directives de la version coréenne et japonaise. Ce qui s'est passé, c'est que les droits sont un peu différents pour nous. Du coup, on arrive en novembre, ils nous annoncent une bêta qu'on a pu tester. D'ailleurs, avec des gens, on a leak le serveur pour qu'on puisse justement avoir plus de joueurs et avoir plus d'avis pour voir si le jeu va bug ou non. Si on fait, si on ajoute énormément de joueurs, si les serveurs vont supporter autant de joueurs connectés au même moment. Il y a eu au total plus de 12 000 joueurs connectés. Ok, cool, cool. D'ailleurs, le CEO dit que ça lui a plu. D'ailleurs, j'ai failli sauter par la même occasion, hein. Alors pourquoi j'ai failli sauter? Petite parenthèse, c'était rapide. Petit compromis avec les Espagnols sur Twitter qui ont commencé d'ailleurs à me poser souci bien avant, largement bien avant. Et j'ai commencé à leak justement l'APK. Pendant une semaine, ils étaient sur mon dos. Ils étaient sur mes côtes, tranquilles. Ils ont pris des photos, des screens que je jouais et tout. Bref, envoyé au support, ils l'ont envoyé au modo, aux admins, Clover du Discord global et du Discord espagnol. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Et voilà, et janvier. Pas de news, et non plus. On arrive mars. Mars, c'est là où ils parlent pour la version japonaise. Ils font une petite vitrine. Alors, rapidement, dans les grandes lignes, dans le contexte que je vous mette dans le contexte de l'histoire, j'ai eu un problème avec les Espagnols. Ils m'ont poucave, comme on dit dans le jargon. Ils m'ont balance, ils m'ont bien balance. Mais bon, j'ai pas eu de retombées. J'ai pas eu de grandes retombées parce que ça va, quoi. Ça va. Ça leur a plu, ils ont vu que leur serveur était stable et c'était tant mieux pour eux. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement après janvier? Ben, il y a eu des articles qui sont passés à droite, à gauche, du côté taïwanais, du côté coréen, chinois. Et on arrive en février, ils nous font un petit teaser. Enfin, un petit teaser. Pas totalement, un petit article rapidement chez les Coréens qui disent qu'il y a une vitrine qui arrivera courant mars. Et voilà ce qui se passe. Attends, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, des annonces inutiles, des informations sur les réseaux sociaux inutiles. On dit ok, problème de droit qui diffère selon les pays, problème sur les voies des seiyuu, ok, problème d'argent, d'accord. On connaît Garena, on sait que c'est l'une des plus grosses boîtes qui génère énormément d'argent.
D'ailleurs, Garena, je crois que c'est la plus grosse boîte taïwanaise, si je ne dis pas de bêtises, qui génère plusieurs centaines de millions d'euros par an. Ok. Du coup, on se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils ont des problèmes. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On va dire, manque de professionnalisme pendant une, deux, trois semaines, un mois. On arrive, du coup, en avril. Pas d'annonce, toujours des publications inutiles sur les réseaux sociaux. Normal, on arrive en malheureusement mai. Compte à rebours pour la version japonaise avec les préinscriptions. Let's go. Énormément de trailers, de pubs dans les rues de Séoul. 2 mois auparavant, ils avaient fait justement dans les rues de Shibuya, dans la gare de Shibuya à Tokyo. Ils ont fait la même chose. Grosse promotion incroyable. Pendant la même période, pendant une semaine, à Taïwan, ils ont fait de la promotion pour le jeu. On ne sait pas pourquoi, ils ont commencé à faire ça. Pendant une semaine, ils se sont arrêtés. Ah ben, on s'arrête. Voilà. On arrive maintenant au présent. Mais, ben, il n'y a rien. On est en mai, il n'y a rien. Du coup, je commence à les DM. J'essaie d'avoir un peu de contact. Le contact que j'avais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il s'est fait licencier ou quoi. Il a été viré. Ok, ben, let's go. Du coup, on arrive toujours sur la même période. Fin du mois de mai. Zero news. Il commence à balancer un peu de news. Début du mois de juin, c'est cool, c'est très très cool. On arrive fin juin, nous tease que début juillet, il y a un événement qui se déroule à l'Anime Expo à Los Angeles, du premier, si je dis pas de bêtises, du premier au 4, je dis pas de bêtises, du premier au 4 juillet. Ils balancent, mais ils nous disent pas qu'il y a du retard sur le jeu, en sachant que les rumeurs circulent, des bruits de couloir qui disent que le jeu aura du retard et que le jeu sortirait courant août-septembre. Le bas de base, il devait sortir en fin 2022. On arrive fin du premier semestre, toujours zéro news, du retard. Il s'excuse pas du retard. On connaît pas les motifs de ce retard. Manque de professionnalisme de la part de Garena. Je ne comprends pas. Ils avaient juste besoin d'aligner un peu plus d'argent, un petit plus de cash. Aucune idée. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière, concrètement? Ben, on sait pas. J'essaie justement. Vu que je suis en contact avec ceux qui gèrent les influenceurs, on sait qu'ils gardent les influenceurs. Justement, moi j'en fais partie pour garder la hype. Mais bon, à quoi bon garder la hype s'il n'y a pas de real news concernant la date de sortie? Si les bruits de couloir disent que le jeu a du retard et un énorme retard derrière, on peut rien faire. On peut plus rien faire. Voilà. On peut plus rien faire. On essaie d'avoir des informations. Rien. On essaye de comprendre le pourquoi du comment. Rien. Ils balancent une news tous les 2-3 jours. C'est mignon. Les préinscriptions, on a fait 1,5 million en 3 semaines. Enfin, en un mois et quelques plutôt. Du retard. Les gens n'en peuvent plus. Faut qu'ils répondent à ce retard-là d'une manière ou d'une autre. On sait que le jeu va sortir d'ici septembre. On sait que le jeu ne sortira pas fin juin. Voilà.